pas joué à la VR. J'avoue, Marty, putain, la solution était devant nous depuis si longtemps. Bah oui, hein. L'homme simple, solution simple. Starfall là, hein. Starfall là. Ah, faut que je reteste ma reconnaissance vocale. Donnez-nous un signe. Yes. Nous vous avons entendu. Merde. Appliqué. C'est fou. On commence à mettre des petites têtes en snipe là, Quentin. Non. Appuyez pour parler oui. On. Ok. Quentin, la rage X1 max. Non. Alexandre. Oui. Ragimax. Je t'attends. Ragimax by Origin, et j'arrive. Quoi? Télécharge Origin et j'arrive. Enfin, j'installe Origin. Bon. Bon. Oh, les avions, ces gros chiens, quoi. Non. Moi, j'espère que dans BF6, il n'y a pas d'avion. Il y a quoi, lampe de poche? Des lits de soutien. J'ai combien? J'ai 35 dollars. Et qu'il y a des médecins qui réa. L'avantage, maintenant, c'est que tu peux te faire réa par tout le monde. Par contre, j'ai pas... C'est vrai, ils sont tous là en train de te masturber. Non, c'est pas pour autant qu'ils le font, hein. T'inquiète. Hein. Pas non plus déconner, c'est la commu BF. Moi, je réa jamais personne non plus. Hein. Il a combien le crucifix? 2000 euros. Ah, il a 30. Mais moi, j'ai pas de tout. J'ai plus de sous. J'ai acheté une lampe torche pour toi, Alexandre. Ah, oh, c'est gentil. C'est pour ça aussi que je me chie dessus comme jamais, c'est que. Ouais, enfin, même avec la lampe torche, en fait, il faut la puissante, mais on l'a pas encore débloquée. Putain, mais Wendy qui aime toutes mes publications, au secours. Faut arrêter. Bah, elle est pas morte, elle aussi. Non, elle est pas morte, non. Ah merde. En plus, c'est une. J'ai mis une publication de mon casque. Waouh. Et elle aimait ça. Oui. D'accord, bah comme... écoute, Wendy Gaylose. Elle aime tout et n'importe quoi, alors. J'aimerais bien me faire moi-même un instrument. D'accord. Genre une guitare ou un ukulélé, c'est rigolo. Bah vas-y, hein, pas de soucis. Hein. Mon nom à moi, c'est guitare. Guitare, bah, dis donc, comment ça s'appelle le truc pour avoir... Bah, je c'est pense électronique. Que... C'est EA Play. Je pense. Ça sonne bien. Play Pro. C'est Play Pro. Non, c'est non, Play non, t'es pas obligé. Non, ouais. Le Pro est plus cher et t'as pas besoin. Pour le chien. Hein. Annuel, c'est parti. Non. Quand par, contre, faut, par contre, faut penser à l'enlever, Alex, quand tu joueras plus. Oui. Ouais. Moi, je vais mettre ma CB comme un Yonki là. Il est où ma CB? Qui m'a pris ma CB là? Ah, c'est bah moi. Personne, attends. T'es tout seul. T'es con quoi? Ah merde. Alexandre le débile. C'est le mec qui dort sous ton lit, Alexandre. Ça m'étonnerait, c'est un clic-clac, t'es... Quentin. Bah, le sous ton clic-clac, il dépasse. C'est possible. Hein. Il dort dans le. Il dort dans le bac. Dans le bac. Dans le bac à clic-clac. Faudrait que je mette des trucs dedans parce que ça me sert à rien et j'ai plein de. Enfin, ouais. C'est ton frigo. Je vais y mettre mon micro, hein, j'avoue. Mais. Bah, casse-toi en fait, mec. Un mec. Y'a un mec qui est venu dans le lobby. Un mec. Hello, la vérité, c'est un viewer. Attends, mais comment ça se fait que. Je vais créer une partie. Ah non, merde! Créer une partie privée. Eh. Je suis trop con, j'avais fait une partie publique. Lampe de poche. Waouh, tu veux pas jouer avec Victor? Cool. Ha! Connasse. Quoi? Tu dis ça parce que je veux pas que c'est mon volant et que moi j'aimerais bien avoir mon volant, c'est ça? Eh bah t'as qu'à venir! Y'a aucun souci, Alexandre! Oui. Oui. J'avoue.
Bah oui. Voilà. Où viens, Alexandre? Viens, Alexandre. Où viens? On se fait une catalane, là, viens. Oui. Putain, j'ai payé 4 euros. Mais pourquoi il me montre? Mais j'ai pas envie de jouer à ces jeux-là. Moi, j'ai envie de jouer à BF5. Propose quoi comme jeu? Voilà, il y a BF3 édition premium. Moi, je suis ultra chaud aussi hein, de jouer à des vieux BF1 si vous voulez. Du BF4 ouais, d'installer. Ah, il y a Titanfall, mais trop bien, genre. Ça c'est lourd, ça. Ça c'est lourd de fou. Alexandre, je t'attends. Allez, en démo, faut télécharger. Alexandre. Oui. Je t'attends. Oh, Kunichakaila. Peut-être demain pour les jeux, merci, mais je pense pas. Kunichakaila, quoi? À qui vous utilisez? 18h, il me reste. C'est R. Pépito Shokoya. Pito Shokuya. Et on va peut-être changer de. Je télécharge, tu m'as demandé les... combien je téléchargeais, Marty? Ouais. Un MO 500. Enfin, voilà, 1,5. 1,6. 1,7. Waouh! Ça va super vite! Putain, mais il a du mal, Victor, ou quoi? Ouais, j'ai l'impression. Tu sais, tu lui envoies un message, t'as du mal ou quoi? Ton PC c'est de la merde? Je sais même plus c'est quoi qu'il a comme PC. Je crois qu'il a une 1070. Oh le loser quoi. Putain, enfin, mais. Il joue pas autant au jeu vidéo que nous. Hein. Ah, un loser. Ah, fait que je dis de Tsang. C'est qui? C'est toi. Mais non. Faudra que tu me rejoins. Putain, mais je mets des petites pépites au chocolat là. Oui. Attends. Je crois qu'il te faut le code. Comment ça va être chaud là? Comment ça va être vénère là? Welcome back. Welcome back. You soon. Welcome back. Ah, mais c'est vrai qu'on avance à 2 à l'heure, putain. I'm coming for you. Non, tu veux pas jouer à Dirt 5? Non, parce que Skip il pue sa mère. Bah, sur Steam il est en notation moyenne. Ouais, bah franchement il. Petit Dirt 5, Alexandre, allez là. Oh! Allez, Alexandre, un petit Dirt 5 là. Dirt Rally 5 là. Mais Alexandre. Tu étais devant mon écran. Quoi? Yay, yo. Mais c'est toi qui lag. Oui, c'est moi qui lag. Lag, Alexandre. Est-ce que tu peux acheter un crucifix? Un crucifix? Un cruciforme. J'ai 40 dollars. Ah, oh, bah c'est bon, tu peux en acheter un. Combien ça coûte un crucifix? 30. 40 dollars? Y'a rien qui coûte 10 dollars? Non, mais c'est bon après. Ah, le sel. Il y a peut-être l'encens, ah, le mais... Sortez les briquets. Non, mais c'est l'encens, mais il faut le briquet aussi avec, donc c'est chiant. Non, on ouais, bah vas-y, lance. Non, mais faut que tu le rajoutes, hein. Comment je... Ah, faut l'ajouter. Oui. Okay. C'est bon? Oui. Farmhouse. Moi, je peux pas me mettre près. Ou Roadhouse. Je sais pas. Oh, vas-y, je vais prendre un petit truc. On a un thermomètre ou pas? Oh, on n'a pas de thermomètre. Oh non, on n'a pas le thermomètre. On est trop j'ai plus con. Le thermomixage de Quentin. Le thermomètre, il était où? Oh putain, il était à 32 là, on aurait dû acheter ça. Mince! On est trop con. Donc là, ils disent thermomètre. Ouais, bah, à chaque fois, ils disent recommander thermomètre. Bon. Eh bien, tant pis, on va faire à l'œil. Faut mettre prêt, hein. Je vais juste crever en fait. Je vais faire une crise cardiaque.
courir n'est pas toujours la meilleure option. Les fantômes sont connus pour cibler ceux qui restent trop longtemps dans la lumière. Est-ce qu'on change de canal pour pas leur péter les oreilles ou... Ouais, j'avoue. Ouais, cassez-vous. Ouais. Parce que sinon vous allez entendre en boucle « Donnez-nous un signe Sandra Smith ». Il a dit « Sandra Smith ». Bon, par contre, Léa, faut spawn parce que moi, mon jeu mais est pas... Attends, je suis pas sur le SSD, donc calme-toi. De toute façon, t'as pas les objets qui spawn, faut m'attendre. Oui, bah j'ai rien du tout là. Waouh. Alexandre qui essaie de... Alexandre qui allume le PC avec sa tête. On prend une lampe torche. Prenez une photo du fantôme. Trouvez les preuves paranormales avec le lecteur EMF. Nettoyez la zone près du fantôme à l'aide de bâtons d'encens. J'ai pris 3 trucs. Faut que tu prennes une lampe. J'ai fait quelques recherches supplémentaires pour vous. Michael Taylor. Oh non, il répond qu'aux personnes seules. Ce fantôme semble également répondre qu'aux personnes seules. Non, Michael Taylor. Michael Taylor. Ah, oh, mais ta race. Nous répondre. Ah, ok. Vous devriez pouvoir utiliser son nom pour le mettre en colère et avoir une activité paranormale. Assurez-vous de vous référer au journal et noter toutes les preuves que vous trouvez. Bien. Oh là 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 là. T'as pris une lampe torche? Oui. T'as pris quoi, toi? J'ai pris EMF et livre. Et lampe torche. Bon, bah, je prends l'appareil photo. Oh putain, mais c'est la même que la dernière fois, au secours. Ouais, mais je déteste quand tu rentres dans les maisons, genre ça fait un vieux bruit sourd là. Michael Taylor. Oh, mais putain, c'est trop fort sa mère. Attends, je baisse là. Et je te baisse aussi parce que je vais crever sinon. Attends, on a pas un livre aussi. Allô, allô. Oui. Tu m'as entendu? Oui. Pas trop fort? Non. Michael Taylor. C'est toi qui fait du bruit là? Oui. Michael Taylor. J'ai le lecteur EMF. Oh là là. Non pas le. Oh la table de Ouija. La spirit box, pardon. Oh mais il y a un os ici. T'as l'appareil photo ou pas? Ou la caméra vidéo? Bah il faudrait prendre. Ah non, j'ai la caméra vidéo. Ah putain. Ah non c'est l'appareil photo. C'est où, c'est là? Prendre la photo. L'os. Comment je fais? Bah tu cliques. Ah. Ah. Oh, what? Quoi? Il y a eu du bruit. Mais ouais, de mais... là-bas. Moi je veux pas y aller là. Il répond qu'aux personnes seules de toute façon. Donc, Et du coup j'ai pas entendu, tu m'as dit que t'avais les livres ou pas? Oui. Mais faut d'abord trouver où il est en fait. Il faut pas Comment tout allumer. Pour savoir où il est. Bah en fait si y a de la buée qui sort de notre bouche là. Ah, super, merci, je suis derrière. Je pense qu'il faut monter. Allumer ça. Ah non, faut monter. Ouais. Moi je veux pas monter moi. Là, il faut monter. Oh les bruits. Michael Taylor. Putain, il me fait peur à chaque fois.
Y'a le buet qui sort. Pas buet. Et normalement ça on peut se cacher dedans. Oh wow. Bah faut le laisser ouvert alors. Oh, il est là dedans. 100% il est là dedans. Y'a un piano ou pas? Non il était en bas le piano. Oh, il y a eu du bruit. Oh là 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 là. Ah oh, mais je veux pas Michael là-bas. Michael Taylor. Taylor. Attendez ici là. Il y a eu du bruit de piano, on est bien d'accord là. Ouais ouais ouais. Mais non, il y a pas de piano là. Mais non, il est là-bas. C'est la salle de bain. Il est là le piano. Michael Taylor. Give me a sign. Mais normalement tu l'as paramétré en français. Ça a combien? 3. Ici. Attends, je vais chercher la caméra. Ah oh mais non mais je reste pas toute seule moi. C'est toi qui as allumé la lumière? Ah c'est rouge. Pardon. Ça allait à 5? Oui. Attends. Ok on sort là. Ah il est là, il est là, il est là. Ah ta mère. Léa, c'est toi qui as fermé? Non non, la porte elle est ouverte. Attends, attends, mais rallume la lumière s'il te plaît, je vois plus rien là. Attends. Mais attends, mais j'ai pas éteint. Attends, il faut que je mette le livre. Éclaire-moi s'il te plaît, je vois rien. Tu peux faire taire. Mais je vois rien. Ah oui c'est vrai. J'avais oublié. Mais comment on fait déjà? Voilà. C'est bon, on peut partir. On peut partir, c'est parti. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Mais c'est bon. Allez, hein, on ferme. S'il y a de l'activité, c'est qu'il écrit dans le livre. Il écrit dans le livre. Ah bah, il a écrit dans le livre. Il est ouais, là. Il écrit fort même, hein. Ah, il a 10, il est pas content là. Au secours. Moi, je pense qu'il a. Regarde, yes, on en a un. Là, du coup, ouais. Meuf, j'en ai rien à foutre. Et je vais marquer dans le journal. Par contre, ça faisait pas de froid. Hein. Non. MF niveau 5. Bah, du coup, tu peux prendre la caméra, on va la mettre. Je prends le crucifix. Oui, tu peux prendre les deux de toute façon. C'est sympa. Tu vas aller mettre la caméra? On va mettre la caméra? Attends, du coup. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a eu EMF? Moi, non, mais il y a que j'ai pas ça, vraiment en fait. Vérifié la spirit box. Ah, mais il y a que ça, donc ça peut être plein de trucs. Ouais, en il fait. Y en a plein de trucs. Donc okay. il faut essayer les autres trucs, genre Spirit Box... Bah déjà, je pense qu'il y aura le livre. Si on a le livre, en vrai, ça nous réduit pas mal de trucs. Hein. Ouais, mais là, on va voir s'il y a le livre, et puis on revient là, parce que moi, je fais pas le journal là-bas. Hein. Et déjà, tu vas trop vite, Alex. Ouais, y a rien. Il a pas écrit? Non. Ah, merde. On peut le déplacer, non? Non, mais je pense qu'il était là, hein. Michael Taylor. Give me a sign. Vas-y, je vais le mettre comme la dernière fois là-bas. Ah, mais il a allumé la lumière? C'est pas toi qui a allumé la lumière? What the fuck? Putain, j'ai peur, sa mère, à chaque fois. Merde, comment on fait déjà? Michael Taylor. C'est F après. Ouais, j'ai rien détecté, moi. Non? Ah, moi, j'ai rien d'autre, hein. Attends, j'ai quoi? Ok, bon, ah, bah, j'ai on le crucifix. Ouais, mais le crucifix c'est pour nettoyer la pièce donc. Bon. Attends. Michael Taylor? Putain de merde. Tu peux regarder son.
Ouais. Activité. Parce qu'en fait, il faudrait y être, mais pas trop. Ouais, il a... là, il est à... là, actuellement, il est à 5 et juste avant, il était à 7. Je vais regarder la caméra. Putain, ça me fait chier, ça me fout les boules. Je crois qu'il y a l'orbe fantomatique. Ah ouais? Bah des fois, ouais, on voit un truc. Ouais, mais là, il va redescendre parce que je suis plus là-bas. Tu ouais, il y a l'orbe fantomatique. Attends, je veux voir. Elle est sur la gauche, là, dans le couloir. Ah bah là, au milieu, là. Tu la vois? Ah, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ah, mais il allume les lumières, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon. En fantomatique. Ça peut être trois trucs différents. Fantôme, je crois que c'est... Attends, c'est quoi, orbe? Merde, fantôme. Spirit Box, moi j'avais rien, donc c'est déjà, c'est pas le Dijin, là. Fantôme, c'est température glaciale. Il y avait quoi d'autre? Bah, moi j'avais rien sur... Non, mais il y avait quoi, y a quoi d'autre? J'avais rien, moi, sur la Spirit Box, donc déjà, fantôme. C'est pas ça. Mais il y a quoi d'autre comme putain de fantôme? Tu peux me dire, comme ça, je regarde. Ah, il y a l'ombre. Bah, l'ombre, en fait, il faut l'écriture fantomatique, et c'est bizarre qu'il écrit pas, en fait. Peut-être qu'il a écrit depuis où t'as récupéré le livre, ou pas? Non. Ça peut être Jean, mais moi, j'ai pas de... Le Jean, c'est avec la Spirit Box, mais moi, j'ai rien box, du tout. La Spirit Box, c'est bizarre, ça fait à moitié, bref. Oui. Fantôme. Fantôme, c'est température glaciale et je pense pas. Et après, c'est tout. C'est tout? Ombre, djinn ou fantôme? Bah, c'est soit l'écriture fantomatique, soit la spirit box. Hein. Après, il répond pas quand on est à deux. Hein. Ouais. En vrai, je pense que c'est ça, mais. Et vas-y, mais il monte tout seul, qu'est-ce qu'il branle? Tu as laissé le livre ou pas? Ouais, ouais, mais attends. Même s'il répond qu'aux personnes seules, faut pas y aller tout seul. Enfin, justement, c'est encore pire, il faut vraiment pas y aller tout seul. Attends. Putain, mais les lumières sont allumées. C'est toi qui as tout allumé, là? Non. J'ai le crucifix. Ouais, y'a rien de d'écrit. Michael Taylor, donne-nous un signe. Mais quel bâtard. Il a répondu. Faut que je prenne en photo le fantôme après. Ouais, mais il faut être tout seul et c'est la merde. Michael Taylor? Mais quel bâtard! Oh, j'ai peur. Là, il est énervé là. Hein. Attends, mais t'en vas pas. Ouais, mais j'ai peur. Tu veux qu'on sorte? Attends, mais répond et tout. Mais t'es sûr que c'est pas la Spirit Box? Je vais regarder. Ah, peut-être qu'il faut mettre le livre là-bas, non? Tu peux mettre le livre là-bas? Non, parce que j'ai pas assez de place. Oh putain. Non, moi j'ai le crucifix. Reste avec moi, s'il te plaît, parce que j'ai peur. Je te jure, j'ai trop peur, sa mère. Pose-le sur le bureau. Michael Taylor. Voilà, rien de détecté. Bon, on sort. Donnez-nous un signe. Ah, behind. Ah, casse-toi. Ah. C'est bon, il t'a répondu. Oui, il m'a répondu là. Ouf. Ça met des frissons quand même. Hein. Sa mère la pute. Donc, c'est Spirit Box. C'est un djinn. Au secours. Super. Normalement, il y avait quoi d'autre à voir? Ouais, bâton d'encens est mort. Oh putain, il était vénère. Et après, c'est une photo du fantôme, mais franchement, c'est trop risqué. Hein. Parce qu'en fait, c'est tout seul. Je pense qu'on va faire ça, comme ça on peut acheter un thermomètre. Ah, après. Mais c'est là pour changer le... Oui, je sais. Oh, mais si t'as un fantôme dans la cave... Tu pleures. Pourquoi? Tu pleures. Juste tu pleures.
Rogaz, il est vénère. Hein. Mais par contre, c'est un petit coquin, hein, parce que... Attends. C'est quoi, c'est un petit coquin. Bah non, mais t'as vu, il jouait avec le piano et tout, là. J'avoue que c'est un petit coquin. Attends. C'est quoi, déjà? Un djinn. Couper le courant empêchera le djinn d'utiliser sa capacité. Oh! Faut couper le courant? Pour un djinn, faut couper le courant. Le djinn est un fantôme territorial qui attaquera lorsqu'il est menacé. Il est également connu pour pouvoir se déplacer à une vitesse significative. Ah bah super. Un djinn voyagera à une vitesse plus rapide si sa victime est loin. Et en gros, ses faiblesses, couper le courant empêchera le djinn d'utiliser sa capacité. C'est-à-dire sa capacité d'aller vite, en fait. Ouais, mais il pourra quand même nous tuer. Vas-y, c'est mort, on y va. Oui, bah appuie sur le truc. Super. Avec mon crucifix. Si c'était pas un djinn, par contre, ta mère la putain. Ouais, si c'était ça. Youpi. Oh, on a gagné $15 de photos. Quoi? Oh, waouh. Parce qu'il y avait... Bah, du coup, je vais prendre un thermomètre. Acheté. On en fait un dernier. Hein. Putain, mais... je pense qu'après c'est bon. Attends. Mais les bâtons d'encens, il faut les allumer, non? Ouais. Oh, mais c'est trop chiant les bâtons d'encens. Du coup, faut peut-être un briquet. Faut peut-être un briquet en plus. Mais t'achètes des trucs là? Tu veux que j'achète un briquet? Bah, faut acheter. Bâton d'encens, je peux pas, hein. Ah. J'ai acheté un thermomètre, là. Bah après, au pire, on s'en fout des bâtons d'encens, au pire. Caméra frontale, waouh. Microphone parabolique. Ça, on a déjà fait... Elle est où la lampe de poche puissante? Lampe de poche puissante. $50. Ah, alors, une presque. Maison de 2 étages, 6 chambres avec un sous-sol. Oh non. Il y a ça. Mais c'est celle où on était là, une non? Une petite maison à 1 étage, 3 chambres et un sous-sol. Non, nous on était sur le Ridgeview Road House. C'était une maison de 2 étages, 4 chambres avec un sous-sol. On a Farm House, une ferme de 2 étages, 3 chambres, avec un grenier. Mm. En vrai, je pense que la petite maison à 1 étage, là... Ouais, je suis chaud, ouais. T'as rajouté des trucs? Non. Non, mais c'est à moi de démarrer, en fait. Donc t'inquiète. Il y a juste un crucifix. Et du coup, j'achète quoi, du coup? C'est bon? Bah en vrai, acheté, en vrai c'est bon, j'ai rajouté le thermomètre, c'est bon, ok. Non bah ça devrait être bon parce que on est que deux donc on peut pas prendre 3 millions de choses non plus. Oui. Courir n'est pas toujours la meilleure option. Tiens, tiens, tiens. Alex, ça fait qu'une demi-heure qu'on joue. Oui mais ça fait peur le jeu. Une demi-heure ça me suffit déjà. Ah, je vais bien pisser moi avec le thé hein. Ah. Mais je crois que c'est celle de l'entraînement là, à la maison. Ah oui, elle est toute petite. De l'eau sale dans l'évier. Mesurer une température en dessous de 10 degrés. Ah, mais c'est ça que j'aurais dû acheter. T'as acheté le thermomètre? Bah oui. Ah, je vais le prendre d'ailleurs. Hop. Quel type de fantôme nous avons à faire? Nettoyer la zone près du fantôme à l'aide du bâton d'ancien. Moi j'ai pas pris. C'est Carol Davis. Ce fantôme semble également répondre aux personnes qu'aux personnes seules. Mais putain, mais il casse pas les couilles! Carol Davis. Devriez utiliser son nom pour le mettre en colère et avoir une activité paranormale. Assurez-vous de vous référer au journal et noter toutes les preuves que vous trouvez. Faudrait que tu prennes une lampe torche, un appareil photo et genre soit la spirit box, soit l'UMF, je pense. Le MF. Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut.
Ouais, c'est celle de l'entraînement. Il y a tellement des bébés. Non, moi, elle est petite, celle-là. Donc là, comment je... c'est Carol Davis? Ah, mais ça. Putain, ta race. Attends, ça baisse ici. Non, mais d'habitude, c'est dans cette chambre-là à chaque fois. Enfin, dans... Non, mais après, c'est du 13 degrés, donc c'est pas non plus super froid, mais bon. C'est... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est creepy ça! Regarde la chambre! Genre, tu... j'ai ouvert ça et s'il te plaît, je touche ça. Carol Davis? Putain de ta race. Quoi? Je te déteste. Mais non, mais ça me fait flipper à chaque fois. Ça, c'est le sous-sol. Non? Non, c'est le bureau ou je sais pas quoi. Non, c'est une chambre. Mais c'est quoi ces portes? Carol Davis? Putain, mais. Faut prendre en photo le sale dans l'évier et aller. Oui, mais faut déjà l'énerver pour qu'elle fasse caca. Ah, oh, y'a un os. T'as pris l'appareil photo, je crois, non? Oui. Bah, tu peux le prendre en photo? Ça me tue, on dirait des enfants. Ça se trouve, ça va être dans la kitchen. Parce que là, j'ai toujours. Putain, elle est loin la kitchen. Dans le. 13. Dans le sous-sol. 14. Peut-être dans le salier ou dans le garage. Putain, ça va être dans le garage 100%. Toi, t'es parti en mode bas les couilles, quoi. Carol Davis. Ah bah là, il fait très très chaud dans le garage. Bon, là, c'est une zone de sécurité, restons ici. 17 degrés, fou. Ah, mais me dis pas que c'est au sous-sol. Il est où l'évier, ici? Ça va être au sous-sol, hein. Il est où l'évier? Ah, il est là. Oh là là, j'ai pas envie. Sa mère. Je descends. Hein. Je c'est là. C'est là? Ouais. C'est moins de 10 degrés, donc... C'est genre... moins de 10 degrés? C'est là, il c'est 7 degrés. Ah oui. Oh, mais ça fait flipper en plus. Bon. Carol Davis. Ouais. Bon, on va remonter, hein. Non, mais Alex, me laisse pas seul. Il faut setup le truc, là. Ah oui, c'est vrai. Putain. Mais merde. Bah attends, on va allumer. Mais juste... J'arrive plus à le mettre. C'est F. Ah, mais je peux pas le mettre par terre. Ah ouais, mais je le mets où, connard? Connard. Je le mets où, putain? Oh. Non, comment je fais pour le rattraper? Mais merde, comment on fait? J'ai un problème sur mes touches ou quoi? Comment je fais pour m'accroupir? Ah, si c'est bon. Ah, ok, voilà. Faut que je m'accroupis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une lampe torche et ça, ok. Bon. Vas-y, essaie de parler. Carol Davis. Pour le MF. Donnez-nous un signe. Carol Davis. Là, ça descend à 3. J'ai rien du tout. Bon. On va remonter. Let's go. Parce que moi je dois aller récupérer d'autres trucs là. Oh mais putain les bruits. Le bananos. Attends mais il a bougé non? Ah non il était toujours là. Écoute, regarde pas comme ça.
Il bouge pas trop, hein. Ah, j'ai. Comment on jette les trucs? Y'a plus aucun truc, là. Comment tu lâches les trucs? J'ai. Ah. Faudra aller mettre une caméra. Tu peux prendre la lampe. Non, j'ai deux trucs là. Mais je préfère prendre le crucifix, je t'avoue. Mais le crucifix, ça te. Bah, c'est au cas où il nous chasse, quoi. Faut pas me regarder comme ça, Alexandre. Faut aller prendre une photo de l'eau sale dans l'évier. Bon. Découvrir à quel cible, nettoyer la zone près. On s'en fout. Ok. Bah, attends-moi, hein, tu t'es barré, hein. Oui, oui. Faut pas faire ça, Alexandre. Sinon, si tu veux, on va faire le tour des éviers, mais. Carol Davis, donnez-nous un signe. Mais lui, c'est propre. Faites-nous un signe. Carol Davis. Je vais descendre. Je vais descendre, Alex. Ah non, mais attends-moi. Non, mais au pire, reste au-dessus. Parce qu'en fait, vu qu'elle parle qu'aux personnes seules, bah. Carol Davis. Carol Davis. J'ai l'impression qu'elle m'entend pas. Bah, moi, je t'entends. Carol Davis, donne-nous un signe. Pardon. Putain. Next, elle m'a dit next. Ouais, j'ai vu. Je me casse. Allez, salut, hein, Carol. Sale pute. Attends. Non, c'est propre. Hé, hey, Carol Davis, sale pute. Rien de détecté. Bon, bah. Alors, on a déjà un autre indice. Bah, on en a qu'un en fait. Le livre, il était vierge. Oui. Attends. Ah, peut-être. Peut-être qu'elle écrit. T'as regardé le truc en mode. Putain, mais. Bon. On a essayé quoi là? Bah, déjà, c'est pas température glaciale parce que c'est pas descendu. Je vais prendre la lampe mes couilles là. Faudra aller voir si elle a écrit quoi. T'as pas mis de caméra? Ah merde, bah oui, je reste en haut. Je veux faire les aviers. Hein. Propre. En fait, le truc c'est que c'est compliqué. Y a pas d'évier en bas? Je sais pas, moi j'ai pas vu. Non, c'est propre. Hein. Faut peut-être aller voir pas en bas. Pas de problème. Hein. Il faudra mettre la caméra. Tu peux allumer. Je sais pas où c'est. Ah putain! Ok, salut à tous, c'est Fanta. Je l'ai vu. Oui, moi aussi je l'ai tellement vu. Oh putain, mais vas-y, on a que dalle encore! Mais on n'a pas mis la caméra, Alexandre! Non! Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on aille mettre la caméra, Léa. Ouais. En fait, je crois qu'elle aime pas la lumière. Ouais, je crois. Si je l'appelle pas. Ok.
Comment c'est G? De quoi? Mais non, ça c'est pour jeter. Faut que tu mettes avec F, je crois. Mais faut pas la mettre là, je pense. Non? Et là, tu le jettes. C'est quoi? Faut les mettre sur les étagères, je pense. Non, pas les étagères. Mais Alex, je suis là. Non, moi je veux la mettre là. Comment on fait? Mais putain, mais t'es chiant. Ah, ok. Mais faut l'allumer, faut l'allumer. Elle est allumée. Non, elle est pas allumée, elle est en rouge. Putain, mais comment on fait? Ouais, c'est bon. Allez, salut, Carole. Ah, oh, flippant. Mais wesh, on lui a rien fait, wesh. On lui a même pas parlé, oh. Ah, mais vas-y, j'ai ton crâne. Mais c'est avec ton crucifix, tu lui as fait peur. Tu penses? Ouais. Elle a pas aimé? Y'a pas, hein. Oh. Oula. Elle a éteint la lumière. Bah, c'est le but quand même. Bah, elle a allumé et elle l'a éteinte. Parce que quand on est parti, c'était éteint. Ah, alors. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, en vrai, je pense pas qu'il y aura d'orbe. Hein. Non. Attends, je vais regarder quand même les types de fantômes là. Ça pourrait être quoi? Venus sont des cousins, ils possèdent une force. Il y a eu une Spirit Box. Esprit, spectre, poltergeist, djinn, cauchemar, démon, oni. Ok. Bah alors déjà, c'est pas, y a pas de MF. Les empreintes, on va voir ce qu'il y a sur les empreintes. Esprit, spectre, poltergeist. Ah. Écriture fantomatique, il y avait encore rien. Attends, je suis en train de lire. Déjà, je pense pas que c'est une ombre. Parce que... Ah, température glaciale aussi, il y avait. Non, mais il y a pas. Non, il y a pas. C'est moins de 10. Mais t'étais à 7. Non, mais moins de 10. Moins de 10. Ah, moins de moins 10. Enfin, je crois que c'est moins de 0, mais je sais plus. Mais c'est pas. C'est des températures négatives. Par okay. Contre, il bouge le fantôme là. Hein. Moi j'aime pas ça. Machin. Donc c'est pas température glaciale. Ouais. Alors EMF niveau 5, ça pourrait être quoi? Djinn, Oni. Djinn ou Oni? Vu qu'on n'a pas de MF, c'est ni un djinn ni un Oni. Avec. Non, bah, j'ai l'impression que c'est un cauchemar, mais je suis pas sûr. Il y a la Spirit Box. Ah, ouais. Il n'y a pas d'orbe. Bah, cauchemar, il faudrait qu'on ait des orbes, donc. Je t'avoue, je ne sais pas. Parce que la Spirit Box, c'est bon. Température, c'est mort. De chez mort. Mais t'es sûr qu'il n'y avait pas de MF? Parce qu'on l'a pas vu s'exprimer, hein, donc... Bah... Ouais, mais ça n'a pas du tout bougé, donc... Il y a empreinte. Pour moi, c'est un poltergeist. Il y a quoi, poltergeist? Bah... Attends... Ah, en preuve, c'est Spirit Box. En fantomatique. Ah ouais, mais non, il faut en fantomatique, non, c'est pas possible. Vas-y, viens, on y retourne deux secondes, là. Et j'ai la lampe UV. On prend... J'ai la lampe UV. Et t'as... Et il faut... le MF.
Non, le MF, je sais pas où il est. Non, c'est bon. Ok. Je te vois bugger, Alex. Demain. Alex. C'est comment que ça s'appelle déjà ? Allô, Alex. Carol Taylor ? Alex. Oui. C'est bon là ? Oui. Bouge. Ah, je suis à 4000 de ping, attends. Parce que tu l'accélères. Hein. Je vais en pause mon téléchargement. Allô ? Allô ? Voilà, c'est bon. Ouais. C'est Carol Davis. Carol Davis. Putain, je suis pas bien. Oula ! Oh, ma lampe, elle... Ma lampe. Allô ? Oh, la porte, elle s'est fermée. Oh, vite. Laisse-moi rentrer. Ferme ta lumière. Bah, toi aussi, alors. Bah, moi... Ah, je croyais qu'elle était fermée. Oh, j'ai trop... Oh, j'ai trop peur. C'est bon ? Bah, je sais pas. T'arrives pas à voir ? Non. Ah, je me suis peut-être bourré de sens. Oui, c'était Vernon. Carol Davis. Quoi ? Pardon. Ah bah elle est à 10, elle... là. Elle vient de la fermer encore. Ah mais là elle est à 10, Léa. Là j'ai réussi à me barrer donc mais. Elle est toujours à 10 d'ailleurs. Non mais t'as le truc qui est fermé en fait. Ouais, je pense que là vaut mieux pas. Moi j'ai plus envie de... j'ai pas plus trop envie d'y aller là en vrai. Tu veux pas genre on cherche un peu ce quel fantôme ça pourrait être. Attends. Je retourne pas, hein, c'est mort. Carol Davis. Attends, mais je suis pas vraiment rentré là. Là elle est à 4. Carol Davis ? Carol Davis ! Elle a augmenté ou pas ? Non. Elle est redescendue. Putain. Elle est à 0. Mais je pense pas que ce soit les empreintes. Non, bah je vais pas dans la cave. Hein. Mais c'est mort de chez moi. Mais elle est vénère là. Là c'est 0 là, mais ça va monter instant. Hein. Donne-moi un signe ! Donne-moi un signe, Carol Davis. C'est à 0 trop longtemps, Léa. Elle va être goût max. Tu ferais mieux de sortir en vrai, là. Mais tu sais que je suis vraiment sur la porte, hein. Elle est à 1, là. Carol Davis. Oh putain, j'ai trop peur, sa mère. C'est impossible. Là, elle est trop vénère. On la voit quand elle est à 10 ou pas ? Ouais. Mais là, elle est plus dans cette cave, hein. C'est pas possible. Bah. Alexandre ? Mais en fait, je vois pas ce que ça peut être là, en fait. On a rien du tout. En bah, fantomatique, on l'aurait vu, je pense. Faut écrire, genre, ce qu'on pourrait avoir. Potentiellement. Enfin, ce qu'on ne peut pas avoir, surtout, en fait. La température glaciale, c'est mort. Ouais. Donc, faut voir tous les trucs qu'on pourrait avoir avec température glaciale. Bah non. Bah si. Non. Comme ça, on les élimine. Température glaciale, c'est mort, j'ai dit. Oui, justement. Comme ça, on les élimine, ceux qui sont dedans. Genre le démon. On est sûr démon, qu'il y en a pas. Oreille. Démon.
Le Yurei. Et c'est quoi le dernier? Je sais pas. Cauchemar. Ah non, démon, spectre et cauchemar. Elle est retournée là-bas. Elle est retournée dans la cave. Mais elle augmente toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Démon, spectre, cauchemar. Elle fait que allumer et éteindre la lumière, c'est casse-couille. Ok, EMF niveau 5, je l'ai pas eu, on est resté pendant un moment en dessous, j'avais rien du tout, donc et empreinte, t'avais rien non plus. En fantomatique, c'est sûr qu'on a rien. Ah, on a, c'est on pas a... un poltergeist. On a quoi? On a Spirit Box, c'est ça? Ouais. Spirit Box, esprit. Empreinte digitale, écriture fantomatique. Écriture fantomatique, c'est mort. Parce que sinon, elle aurait écrit. Ouais. Cauchemar. Ensuite, Spirit Box. Okay. Empreinte digitale, température glaciale, non. Orbe fantomatique, on n'a pas. Ça, c'est mort. Écriture fantomatique. Spirit Box, empreinte digitale et orbe fantomatique, en soi. Ouais, mais non, parce qu'on la verrait, je pense. Je sais pas. Après, il y a quoi? Spirit Box, Orb Fantomatique, EMF niveau 5. Fantomatique. Spirit Box, écriture fantomatique. L'esprit démon, Pony. Spirit Box, EMF niveau 5 et écriture fantomatique. En vrai, je pense que c'est un poltergeist. Hein. Bah, il faudrait qu'on ait des orbes fantomatiques. Bah, ouais, mais. Déjà, ça peut pas être un esprit, ça peut pas être un spectre, ça peut pas être un poltergeist, ça peut pas être un djinn, ça peut pas être non, un bah ça peut être quoi? Y a plus rien. Ça peut pas être un démon, ça peut pas être un oni. Ah, bon bah y a plus rien. Bah oui. Ouais, parce que tout ce qui pourrait être probable, c'est avec une orbe fantomatique, hein, donc Parce que genre, admettons, ça pourrait être un djinn. Parce que, parce que EMF niveau 5, en vrai, normalement, enfin, je sais pas s'il s'active toujours, mais... Je sais pas. Parce que Spirit ça peut être soit Jin, soit Oni, et Oni, faudrait qu'il y ait... Pourquoi Oni? Oni, faudrait qu'il y ait les écritures fantomatiques. C'est mort, l'écriture fantomatique, elle aurait déjà écrit dedans. Et Jin, faudrait qu'il y ait les orbes fantomatiques. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu un follow là. Merci lolwack 122. Ouais, mais du coup ça veut dire qu'on peut pas. Ça veut dire que le MF niveau 5 c'est genre pas possible parce que faudrait que ce soit un djinn soit un oni et les deux c'est soit un fantomatique Mais c'est possible que ce soit poltergeist hein. Soit empreinte. Non, pas empreinte mais spirit box. C'est non, oula, mais qu'est-ce que je fais? Attends. Ouais, écriture fantomatique ou orbe fantomatique. Et poltergeist, je crois qu'il faut les orbes fantomatiques. Bah ouais, mais bon... je vois pas ce que ça peut être, en fait. Bah ça peut pas être un cauchemar, ni un djinn, ni un poltergeist. Parce qu'on a pas d'orbe fantomatique. Mais en fait, elle joue avec la lumière, elle me pète les couilles. Bah ouais, mais là, ok, y a pas, mais elle écrit pas dans le livre non plus. Et température glaciale, c'est mort. Enfin, sinon j'aurais été en moins. Oui, bah oui, je sais bien, mais... Ouais. Pour toi, c'est quoi, là? Pour moi, bah là, pour le moment, je sais pas. Parce que... Attends. L'esprit. Il a Spirit Box, empreinte digitale et écriture fantomatique. Sauf que écriture fantomatique, on est bien d'accord qu'on n'a rien vu. Plusieurs fois. Ouais. Même quand elle est venue et tout, elle a pas écrit dedans. Ouais, donc c'est soit mort. Spectre, soit démon. Spectre, empreinte digitale, température glaciale et Spirit Box. Ben oui, mais température glaciale, je l'aurais vu. Ouais, c'est ça le truc, c'est que sur les deux. Parce que tu le vois direct en fait. Donc pour moi, c'est pas un spectre. Après, t'as Poltergeist, toi, on aurait vu l'orbe fantomatique et on la voit pas. Et après, t'as Spirit Box, orbe fantomatique, EMF niveau 5. Ouais, à chaque fois en fait, il manque un truc. Bon, faut que j'aille prendre en photo l'eau sale, là. Ouais, mais là, elle est vénère, non? Non, bah là, ça va, elle est juste à 3, donc c'est ok. Elle redescend.
Mais parce que là, il faudrait quoi en fait? Je sais pas. Tu veux que je me balade avec mon AMF? Ta mère. Attends, j'ai quoi là? Oh, mais j'ai la lampe. Harold Davis. Attends, mais elle va venir hyper vite, t'es tout seul hein. Attends. Ah. C'est moi qui ai fermé. Ah d'accord. C'est allumé en bas, tiens. Mais y'a pas d'eau sale, mais ta mère la pute. Bien. Attends, on va aller voir dans les autres éviers. Je suis pas bien du tout. Là, je vais faire une crise cardiaque à tout moment. Hein. Genre, je déconne pas. Hein. Ouais, bah ici c'est propre aussi. Oh, ça sa mère la pute. Le placard. Le placard, vite. Putain, je me suis trompé. Ah oh, putain, on a entendu marcher. J'ai envie de pleurer. T'as rien? Non, j'ai rien du tout. Je suis sûr, en fait, j'aurai une montre et tout là. Genre, mon cœur il est à 130, 100%. Bon, ça te protège vraiment le crucifix? Je sais pas, apparemment il faut le poser, mais. Ma lampe clignote toujours. J'ai envie de pleurer. Le pire, c'est que c'est un jeu en fait. Genre, c'est pas grave si on meurt, mais c'est trop stressant en fait. Genre, tu te prends trop au jeu en fait. C'est horrible. Mais casse-toi, putain. On l'entend, hein, c'est elle. Hein. On l'entend marcher, mais genre à côté quoi. Oh là là. Ok, la lampe elle clignote plus. Moi je me casse. Hein. Moi je te suis. Salut, oh, hein. Ouais, bah c'est bon, je retourne plus là-dedans. Hein. Je retourne plus là-dedans. Et t'as laissé ton EMF et y'a rien eu. Hein. Y'a rien eu du tout. Ouh. Oh là là, putain, on serait sorti. En vrai, on était mort. Hein. On a plus de santé mentale. Bah, je sais pas du coup. Hein. Par contre, elle est vénère sur l'interrupteur. Hein. Ouais, mais elle l'a défoncé là. Bah, je sais pas, faut qu'on fasse un peu au hasard là, du coup. Bah, vas-y, démon, moi je suis chaud démon. Démon, mais y a pas de température glaciale. Ouais. En plus, là, tu prends deux trucs et on est sûr. Je pense qu'il y a... Merde. Esprit ou spectre. Je pense qu'il y a des empreintes digitales, je pense. Ouais, je mets spectre, Paul... moi. Spectre? Parce que spectre, c'est quoi? Ouais, allez, spectre. C'est empreinte digitale, température glaciale. Ouais, bah je sais pas, je mets spectre. Vas-y. C'est bon? Bah ouais. Pour bon sens, c'est pas ça, mais bon. Bah ouais, mais je t'avoue, je vois pas là. T'as un esprit.
Ah merde. Mais attends, mais esprit c'était quoi? Je peux pas voir. Esprit c'était quoi? Je sais plus. On n'était pas sur esprit du tout, hein. Si, c'était je sais plus c'était quoi qui manquait. Ok, bon. Bon bah le save 4, moi je retourne pas dedans. C'est mort. Je peux pas regarder C'est trop chiant ça. Bon. Effectivement. On a bien badé. Qu'est-ce que je voulais faire? Fantôme. Phasmophobia. Guide complet. Différents types de fantômes. Donc c'était l'esprit. Ouais, je pense. Non, c'est lui, c'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, ouais. Attends, mais il est pas dans son truc là. Chine cauchemar, non, ombre. Spectre fantôme. Bah vas-y, sur jeuxvideo.com, il y a pas. Attends, il disait comment se protéger d'un fantôme. Si un fantôme n'est pas encore en face de chaise et que vous avez repéré son emplacement, dépêchez-vous de placer un crucifix au centre de la pièce. Ah. Ah. Notez qu'un crucifix n'est pas efficace si le fantôme est déjà en phase de chasse. Ah. Trouvez donc un placard où vous cachiez, éteignez vos sources de lumière et surtout ne faites aucun bruit. Restez donc bien caché et attendez la fin de la phase de chasse du fantôme. Vous retournez en action. Ok, on est juste trop fort. Ok. Bon, par contre, j'aimerais bien connaître le fantôme. Putain, mais pourquoi ils mettent pas l'esprit là? Je comprends pas. Il existe pas? Au secours! Tous les types de fantômes! Ah, esprit! Non, mais ils le disent même pas ce qu'il y a. Faiblesse, chambre vide. Ah, super! Peut lancer plusieurs objets à la fois. Mais il a rien fait. Ah! Les boîtes à esprit? Mais c'est quoi ça? Spirit box. Ah, ok, d'accord. Et ben c'était les empreintes d'hésitage et les orbes. Hein. C'était bien orbes! Mais il n'y en avait pas. Bah ouais, bah... Bah c'est une connasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Très bien. Les fantômes, ouais. Force, peut lancer plusieurs objets à la fois. Faiblesse, pièce vide. C'est super. Bah il nous a absolument rien lancé, ce fils de pute. Hein. J'avoue. Putain, mais... T'imagines que... rester groupé lors des attaques. Putain, mais tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, vous le savez déjà, les fantômes peuvent passer en phase d'attaque. Et à ce moment-là, on est toujours tenté de trouver une cachette immédiatement. Lol. Mais certaines des apparitions les plus importantes se passent aussi lors de ces phases. Il faut donc tout de même essayer d'observer quelque chose. Pour cela, mieux vaut donc rester groupé avec son équipe, quitte à parfois à sacrifier un de ses camarades. Oh non. Sauf que nous, le problème, c'est qu'on était que deux. Bah ouais, en fait, c'est ça. Il y en a un qui meurt, et il en reste plus qu'un, en fait. Au secours. Bon, bref.